Alicia, candidate de la 6e saison de Mariée au premier regard, est remontée. L'attitude culottée et selon elle sans respect de son ex, Bruno, n'est pas sans provoquer son agacement, comme l'une de ses dernières stories publiées en témoigne. Si est-il au cours de la 6e saison de l'émission Mariée au premier regard que les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Alicia et Bruno. Les deux candidats avaient eu un coup de foudre immédiat. La tendre idylle a néanmoins connu des perturbations. Les amoureux avaient toutefois souhaité s'envoler pour Bali, non seulement pour se donner une chance, mais surtout car ils ne souhaitaient pas annuler ce séjour coûteux. Il y a quelques jours, la jeune femme postait un message amer sur son compte Instagram semblant signifier que la pause avec son compagnon ne se déroulait pas au mieux. En pleine crise de couple, l'ancienne participante a de nouveau saisi son téléphone ce dimanche 25 juin 2023 pour faire part d'un nouveau motif d'agacement. Alicia, quand on a du culot, voilà ce qui se passe. Cette pause semble avoir donné des idées à Bruno. Le compagnon d'Alicia ne portait déjà plus son alliance depuis un moment. Mais à ce geste symbolique s'est ajouté un élément encore plus significatif. L'homme fréquenterait en effet Jennifer, autre candidate de la 6e saison de l'émission. Je reçois énormément de messages d'internautes qui me disent Jennifer est chez Bruno, là où tu as vécu. Elle s'est prise en photo devant les boîtes aux lettres. Elle est dans la piscine. Oui, je reçois plein de messages, j'ai l'impression que vous attendez une réponse de ma part. Je vais être brève, quand on a du culot, voilà ce qui se passe, parce que oui, cela s'appelle du culot, et du non-respect, a tout simplement déclaré la jeune femme, on ne peut plus clair. Je ne me serais jamais permis non sans amertume, la candidate a également légendé sa story d'un laconique, perso, je ne me serais jamais permis, je suis beaucoup trop bien élevé pour cela. Heureusement, la jeune femme semble aussi avoir plein de projets réjouissants à l'approche de l'été. Dans la story qui suit, elle a retrouvé le sourire et s'exprime depuis la maison de son amie Laura, à Nice. Il s'agit de la première étape d'un périple qu'elle va réaliser en Corse avec sa bande de copines. On va à Porto Vecchio, personne ne connaît dans la team, donc si vous avez des bonnes adresses. Cesse d'enthousiasmer la jeune femme. De quoi se changer les idées de la meilleure des façons. Article écrit en collaboration avec Cimedia.